L'ONU va lancer un appel aux dons après le passage dévastateur du cyclone Idai en Afrique australe. Au moins 300 morts au Zimbabwe et au Mozambique. Beira, deuxième ville de ce pays, est détruite à 90%, Romain Poiseau. Dans les rues de Beira, sous une pluie torrentielle, Déborah Nguyen, porte-parole du Programme alimentaire mondial, décrit un paysage de fin du monde. Toutes les maisons ont été partiellement ou complètement détruites. Tous les poteaux électriques sont à terre, les arbres sont à terre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Les gens ont été relogés dans des centres d'hébergement de fortune, les écoles... Les églises, etc. La ville est presque totalement détruite. Les inondations s'étendent sur une centaine de kilomètres autour de Beira. Il reste encore beaucoup d'habitants à secourir. Toute la journée, là, il y a des équipes de sauvetage qui les récupèrent en hélicoptère. Et puis, il y a des gens qui étaient en train d'attendre des secours depuis un jour et demi, perchés sur un arbre. Aujourd'hui, Déborah Nguyen craint que le bilan dans la région de Beira s'alourdisse. Les gens n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable, pas d'accès aux services médicaux. On craint aussi une épidémie de choléra si jamais la situation ne s'améliore pas. Des vivres provenant d'Afrique du Sud et de Zambie doivent arriver aujourd'hui. Déborah Nguyen demande à l'État français un soutien logistique et financier d'urgence.